J'espère que vous allez bien. Alors, il est un peu tard, certes, puisqu'il est 23 h passées, mais il y a une information à tenir pour demain, les gars, mercredi. Si vous êtes en congé, si vous n'avez pas cours, puisqu'on est mercredi après-midi, eh bien, les gars, il faut savoir que demain, 10 h du matin, commencera la maintenance pour la mise à jour 10.40.1. Donc, ce mercredi 2 octobre, cette maintenance patch, donc normalement 10.50, eh bien, est prévue pour le matin, et il va y avoir donc des serveurs qui vont être hors ligne. Et en gros, de toute façon, vous inquiétez pas, puisque si vous pouvez pas accéder à Fortnite, personne ne pourra l'accéder non plus pendant 7 h 30 à peu près de coupure de serveur. Une fois que vous aurez téléchargé la mise à jour, si en gros vous rallumez, vous verrez qu'il y aura marqué ceci donc sur votre écran. Vous allez appuyer pour commencer, mais au lieu de faire la connexion, vous allez voir que ça va bugger, que ça va mettre les serveurs sont éteints. Pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Puisque je dois aussi vous prévenir que un tweet a également été publié par Twitter officiel France Fortnite, donc le Fortnite officiel français, pour préciser que la mise à jour sera de taille un peu plus conséquente pour la Nintendo Switch. Ils disent la taille du patch sera plus importante que d'habitude sur Nintendo Switch. Donc ceux qui sont sur Nintendo Switch, préparez-vous à avoir un gros contenu et un peu plus long certes et un peu plus chiant du coup à libérer sur votre console. Maintenant, là maintenant c'est le meilleur moment en tout cas pour vous de vous documenter sur les nouveautés de Fortnite, de lire les patchs sur le site officiel et surtout sur ma chaîne puisque je vais être au taquet à partir de 10 h du matin. Je vais vous sortir chaque nouveauté que je vais voir sur Twitter. Je vais peut-être me mettre en live dès 10 h du matin malgré que la maintenance soit off, pour vous parler de tout ce que j'ai et tout ce que je rencontre surtout. Et comme vous savez, chaque maintenance amène pas mal de nouveaux contenus et surtout celui-ci risque d'être ouf parce qu'on va avoir tous les détails concernant les défis d'ultime effort, concernant peut-être des nouveaux modes de jeu, surtout concernant les événements de fin de saison avec cette fameuse fusée, avec surtout cette saison 11 qui arrive, puisque dans 4 jours se termine la saison X, alias 10. Donc j'espère en tout cas pour vous que vous êtes prêts. N'oubliez pas, j'ai également publié une vidéo concernant le scientifique et justement ses versions multiples à récupérer une fois cette mise à jour enclenchée. Donc le visiteur, vous savez, c'est l'ancien depuis quelques saisons maintenant. Il y a maintenant le scientifique. Ce scientifique, vous allez pouvoir déverrouiller. Regardez, normalement vous avez les styles de visage, mais maintenant vous allez pouvoir déverrouiller des couleurs. Je vous ai fait une vidéo s'intitulant Voici les 6 cassettes secrètes pour les variants du skin scientifique à regarder sur ma chaîne. Donc en tout cas, les gars, demain maintenant, 10 h du match, je serai là, je vous dévoilerai tout. Soyez nombreux, n'oubliez pas le code créateur Telmo-Lopez comme ceci, de vous abonner, de mettre un gros pouce en l'air, de me dire en commentaire ce que vous attendez de cette mise à jour. Est-ce que vous êtes prêt ou pas pour la saison 11? Mais le plus important, c'est de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!